Devant Thierry Moami, journaliste, directeur de Free Media, qui remporte le prix du concours sur le sujet Média Femmes, Paix et Sécurité 2022, séjourne depuis la matinée de ce vendredi 2 septembre 2022 en Provence du Sud-Kivu, du retour à Kinshasa, où la compétition s'est déroulée le mois passé. Selon le confrère, ce trophée est dédié à tous les journalistes qui lutte pour la protection de la femme et c'est à ce fait, il appelle les autorités provinciales à penser beaucoup à la représentativité de la femme et sa prise de décision dans les instances étatiques du vent Thierry Moami, issu dans ce propos recueilli par Papi Mouloumé. Comme vous le savez bien, j'ai été à Kinshasa où j'ai reçu un prix par rapport au reportage que j'avais fait sur la résolution, la vulgarisation des résolutions de la résolution 1325, une résolution qui promouvoit la femme, surtout pour la participation, la prévention, la protection et la gestion des conflits. J'ai été primé, j'ai été le deuxième meilleur journaliste congolais dans ce concours-là. On nous a primé à Kinshasa et voilà qu'aujourd'hui je viens de rentrer ici à Bukavu pour présenter au mieux ces prix que je suis parti prendre là à Kinshasa. Comme je le disais, je suis très content, très heureux. Ces prix-là, je les dédie à tous les journalistes congolais, tous les journalistes d'ici Kivu qui luttent pour la promotion de la femme. Oui, comme je l'ai dit même à Kinshasa, moi avec les médias, mon média, on va continuer la vulgarisation, la localisation de cette résolution 1325 dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Je vais faire même la restitution si possible dans ma rédaction pour que nous ayons tous une idée sur la résolution 1325 parce que c'est une grande résolution, c'est une importante résolution pour le développement même de notre pays. Ces prix, je les dédie à mon mentor, un grand que j'appelle Loni Yoel Irenge. C'est un grand qui m'a encouragé. Ça fait 2 ans que je suis dans ce métier et je viens de recevoir un prix. C'est un grand qui a contribué pour mon développement personnel, pour ma capacitation dans la presse écrite. Il m'a conseillé toujours. Et le ministre